Mes attentes, quand j'ai candidaté pour la Villa Kujoyama grâce à l'Institut français, étaient d'être en immersion totale dans un pays, une culture donc japonaise, et de pouvoir s'expatrier durant un certain temps, d'avoir, c'est un trésor. J'ai toujours, quand j'étais à la Villa Kujoyama, je me suis toujours dit que ça devrait être offert à toute personne ayant le besoin ou l'envie de faire une recherche sur soi, parce que c'est vraiment une chance exceptionnelle. Ça m'a fait rencontrer mon espace de solitude, créatrice, mais pas seulement. Ça m'a apporté un regard, une façon de regarder, de voir, d'écouter plus l'autre et plus moi-même.